Salut les viewers, c'est Marcus Bonus, pardon, et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Robocraft. On va partir quand même en bagarre, je pense. Hein. C'est pas celle-là? C'est quoi le fameux mode de jeu? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Robocraft, chers amis. J'essaie de trouver le fameux mode de jeu. Ah non, c'est apparemment sur le nombre de parties jouées. Ok, parfait. Bah écoutez, on va faire des parties à la fond, hein, puis on va voir bien. J'ai 3 vidéos à tourner, je devais les faire en live, chers amis. Malheureusement, il est déjà 15h. Et regardez, je vous montre, j'ai tout ça, je sais pas si vous voyez, j'ai tout ça à monter, donc ça pue du cul, plus bah, les 3 Robocraft qu'il va y avoir derrière. Hein. Donc je suis pas rendu, hein. Faut savoir que je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vidéos à monter, sachant que je serai pas là chez moi demain, donc je mets les Robocraft, RC, RC, j'en mets une ici aussi, hop, RC, la première sera tournée. Hop, j'ai tout le nez. Ok, donc bon, voilà, je suis pas, je suis dans la merde en termes de montage. J'étais assez, j'ai très très mal dormi cette semaine, du coup j'étais assez fatigué. Je me levais assez tard en plus parce que j'essayais de rattraper mon sommeil et j'avais du mal, je suis désolé. Du coup j'ai pris beaucoup de retard sur les montages. Il va falloir que je m'occupe de ça, donc je pense que les deux PC vont tourner pendant quelques temps, là, vont monter pendant quelques temps. Alors certains d'entre vous pensent que ce robot est lent, chers amis. Mais je rappelle que les deux hélices réduisent considérablement la vitesse max, hein. Énormément. Donc voilà. Personnellement, je le trouve pas lent. Au contraire, je le trouve justement, enfin, il me fait un petit peu penser à Yoshi par exemple dans Mario Kart. Vous savez, un robot qui ne va pas, un personnage qui ne va pas très vite, certes, mais qui a une très très bonne accélération. Et c'est sur ça que je. Hop, oula, je me fais toucher. Ok. Je devrais peut-être augmenter légèrement le son des vides. Oh la vache, c'est du monde. Hop. Et boum, parfait, on en a eu un. Si je peux avoir celui-ci avant qu'il ne. Hop, parfait. Boum. Boum, c'est bon. On l'a eu. Ok. Parfait. Crac. Quand je vois qu'on se fait attaquer par quelque chose derrière nous. Oula, je me suis pris un tir qui apparemment a dérangé mon robot. Ok, je me continue à me prendre des tirs qui apparemment dérangent mon robot. Ok, lui on l'a eu. Voilà, je sauve mon copain quand même, un minimum. Ok. Boum boum. Oui, je commence un petit peu à m'habituer au tir de. Au tir de cette arme. Ah, serait-ce un dinosaure? Non, je crois pas. Je sais pas ce que c'est véritablement. Hop. Alors on n'a pas vraiment, vraiment. Voilà, j'allais dire vraiment, vraiment le dessus, mais finalement on n'est pas si mal. Ok. Je me fais toucher, donc je vais peut-être me booster un petit coup par là-bas. Hop, pour me mettre hors de portée. Non, franchement, je trouve que ce robot est vraiment efficace. Faut que je lui trouve un nom et que je le mette dans le shop, chers amis. Je pense qu'on va lui trouver un nom. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Red Eagle? Non, bah non, non, il appelle rien à Eagle. Ok. Lui aussi, on l'a eu. Je me fais bien toucher par contre là. Je vais essayer de me rentrer directement sous le bouclier pour repartir encore plus vite. Hop, les. Voilà.
Alors j'ai les yeux qui ont l'air... Je crois que je fais légèrement de la tension oculaire, chers amis. Je suis désolé, j'en faisais déjà tout à l'heure en tournant du Overwatch. Je ne sais pas pourquoi. J'ai les yeux qui sont extrêmement dérangés. J'aimerais savoir pourquoi, j'aimerais savoir ce qui se passe. Malheureusement, je ne sais pas. Désolé. J'espère que visuellement, ça passe encore. Putain, je l'ai pas touché une seule fois, là, par contre. Hop. Hop, ok. Alors là, on a un problème. Il a plus tendance à monter qu'à tourner. Hop, allez, c'est bon. Crac. On est reparti sur de bonnes... De bons rails, on va dire. Voilà, ça fait du bien par où ça passe, comme on dit. Où est-ce qu'il est? Oh, oh, t'es passé sur le coin de la gueule, celle-là, mon ami. Ah merde! Merde, Cody! Ah, j'ai plus de queue du tout, par contre. Merci. T'inquiète, 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 c'est bon. T'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Fouah. Fouah, c'est... Parce que je veux aller trop vite. J'ai voulu aller trop vite, j'ai pas su écrire comme il faut. Ça va plus. Hello there. Ok. Ok. Ce serait bête, hein. Hop. Voilà, problème résolu. Problème résolu. On va pas partir en full attaque. La vidéo est assez courte. La partie est donc assez courte aussi. Par conséquent, je préfère être prudent. Bien que. Là, hop, il y a un anti-air apparemment maintenant. Je l'avais pas vu tout à l'heure. Alors c'est la première fois que lui me voit aussi. Hop, parfait. Essayons de corriger ce problème. Voilà. Crac. Parfait. On est complètement réparé. Ils ont rien vu venir. C'est parfait. Ils sont en train d'essayer de choper des points. Parfait. Merde. Apparemment, c'était pas lui. Je vais me faire rect. Si je peux reculer et me garer un petit peu par là, ce serait même très très cool. Waouh. Et franchement, ce robot, il est épique. Hein. Je veux pas dire, chers amis. Hein. C'est peut-être le meilleur robot que j'ai. Alors c'est moi qui l'ai construit, c'est moi qui l'ai pensé, c'est moi qui a fait tout hein. Mais alors là, là franchement j'arrive sur une perle en termes de robot hein. Par contre là je vais mourir. Là ça me tue de l'admettre, mais je vais mourir. Là ça me tue de l'admettre, mais je vais décéder. Malheureusement. Eh ben non. Eh ben non. Je m'y oppose, je refuse de mourir. Bon, par contre, je me fais chase un petit peu par l'autre saloperie là. Tu vas me lâcher les bosques, les basques, les bosques, les bottes.
tout ça. Tu vas me lâcher les pieds un petit peu. Enfin, même si techniquement ce robot n'a pas de pieds. T'es descendu un poil bas. Y'a un mec qui a pas compris comment ça se passait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, on fait beaucoup plus de dégâts que eux sur l'autre, sur leur... Voilà, gagné. Bah écoutez, belle victoire, chers amis. Belle victoire, belle victoire. Il faut qu'on trouve absolument un nom à ce robot. Robot. Qu'est-ce que je suis censé trouver? Putain, je suis en diamant, je trouve que du verre. C'est dégueulasse. Robot. Teasé. Voilà. Voilà. Je l'ai trouvé. C'est robotisé. Bref. Désolé, c'est triste. Mlarkus. Hop. Voilà. On va mettre ça comme ça. Je sais plus ce que je mettais avant. Crac. Voilà. Parfait. Et on l'a envoyé. Comme ça, vous pouvez le prendre, chers amis, si vous le souhaitez. On retourne en arène de combat parce que cette vidéo était très très courte. Cette partie était très très courte. Ouais, c'était. Finalement, je trouve que c'est un bon robot, moi, personnellement. Un très très bon robot, j'aime beaucoup. J'ai hâte de faire le petit aéroglisseur. Peut-être que je vais partir sur un deuxième épisode de fin de construction, puis on verra. On verra. Non, peut-être pas. Par contre, je vais peut-être changer de robot sur le prochain épisode. Hein. Je vais peut-être revenir sur un des robots un petit peu secrets, vous savez, les robots qui détiennent le secret de Robocraft. C'est-à-dire. Ça sert à rien d'avoir du skill tant que t'as des armes qui jouent toutes seules. Donc bon. On verra. Mais personnellement, je pense que je vais pas rester tout le temps sur ce robot parce qu'il est un petit peu trop cheaté. Je voudrais pas que ça fasse... ça crée des problèmes, tout ça. Mais bon. Franchement, à tous ceux qui disent « Ah, mais il est lent !» Moi, je suis pas d'accord, hein, pas du tout. Eh, mais la peinture rouge... Ah bah tiens. Hop. Glacigon, il est en face. Il est en face, effectivement. Là, c'est pas Glacigon. Il est où, Glacigon ? Glacigon! Ah, te voilà! Oh, j'ai pas réussi à toucher Glacigon! Ce trash talk. Hop. Ah là là. C'est parti, mon kiki. Par contre, c'est les shotguns qui capturent les tours, ça va plus. Allez! Putain, faut que je passe quoi pour le faire. Ok. Il est où Glacigon? Ah, il est là. Ah, il me. Il me chase le Glacigon. Dis donc. Falloir apprendre à me respecter un tantinet. Dis donc. Et une ligne de fête. Quoi? What?
player has disconnected. Your respawn times have been reduced. A player has disconnected. C'est les serveurs. Times have been reduced. A player has disconnected. Your respawn times have been reduced. A player has disconnected. Your respawn times have been reduced. Your little fusion tower is under attack. On vient de perdre les deux tiers de l'équipe. On est plus que 3, c'est du 3v5. Bravo les serveurs de Robocraft. Bravo. Du 3v5, ça va être rigolo. Hop. Ok. Ah, en plus c'est des putains, c'est des bah oui, oui, oui. Voilà. Ça sert à rien de la jouer. Bravo les serveurs de Robocraft. Tu portes la poisse. Oh. Ah. Oh là là, la tristesse, chers amis, la tristesse. Bravo les serveurs. Bravo les serveurs, bravo, bravo les serveurs de Robocraft. C'est sur cette belle défaite, cette punition par Free Jam, qu'on va se laisser, les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, donc finalement j'aurais perdu.